Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. Pour les personnes du signe zodiaque Cancer, pour la période du 1er au 14 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est carrément gratuit. Les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance avec moi. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais vous avez... les énergies sont interchangeables. Si elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous. Prenez ce qui résonne, jetez le reste. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que si vous avez besoin de guidance, c'est le deuxième lien. Bref. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Un chose plus que je vais reading for my cancerian. Cancerian energy first through the 14th of May 2020. Can I pass out the energy for my cancerian? Cancerian energy first through the 14th of May 2020. Thank you so much. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici très concentré sur vos finances. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de travail à terminer. Vous avez des factures à payer. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici en train d'essayer de calculer vos taxes, payer vos taxes. Si vous devez payer vos taxes, j'ai l'impression que vous voulez les payer petit à petit. Vous ne voulez pas tout précipiter. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici votre propre business, j'ai l'impression que votre business est gérable. C'est peut-être un petit casse-tête chinois, mais vraiment, vous vous en sortez bien. Surtout si c'est quelque chose que vous avez entamé tout seul, personne ne vous a aidé. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous avez votre tête fixée sur vos calculs, votre stratégie. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous aimez ici, travailler en avance, préparer des trucs en avance. Vous travaillez énormément. Personne ne sait à quel point vous travaillez énormément. Votre travail est votre amour. Vos finances sont votre amour. Pour d'autres, si vous êtes étudiant, c'est que vous étudiez très, très dur parce que cette fois-ci, vous voulez passer vos examens. Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai vraiment, vraiment l'impression que vous avez votre propre business. Et si jamais vous avez votre propre business, on a ici les anges qui veulent vous dire que vous êtes parfaite, que vous faites exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez. Pour les autres, si vous êtes ici spirituel par exemple, et que vous êtes divinatrice, liseuse de tarot, something like that, il est probable que vous gérez votre business en fonction de votre intuition. Vous faites ce que votre intuition vous dit de faire, vous faites ce que les anges vous demandent de faire, vous vous en foutez complètement de tout ce que les gens racontent. Si vous me demandez d'écouter les divins et les hommes, je préfère écouter les divins. I don't give a damn. Une partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici cancer, ascendant bélier ou encore vous êtes peut-être un homme amoureux d'une femme bélière, entrepreneur. Pour d'autres, si vous êtes ici une femme, j'ai l'impression qu'on a ici un homme qui essaye d'analyser vos finances, d'analyser votre travail. On a ici quelqu'un qui essaye de vous analyser. On a ici quelqu'un qui voit du potentiel en vous. Et qui veut faire un partenariat avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que si jamais vous cherchez du travail, que vous voulez faire depuis la maison, something, je vois ici un patron qui est en train de regarder votre CV. Je vois ici quelqu'un qui est en train de calculer combien ça coûterait pour lui, de travailler avec vous, de vous payer un salaire here. Pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que financièrement parlant, vous êtes très stable. Vous ne demandez votre reste à personne. Personne ne prend soin de vous. Surtout si vous êtes une femme, personne ne prend soin de vous. Vous êtes très indépendante. Même si vous êtes très jeune, en dessous de 30 ans,
Vous faites des choses que même les jeunes femmes de votre âge n'ont pas encore accomplies. Mais il est probable que vous êtes ici une personne très secrétive. Personne ne sait exactement qui vous êtes, ce que vous faites en particulier. Plusieurs personnes voient seulement votre apparence, mais ils ne voient pas en fait j'ai même envie de dire le génie qui se cache derrière votre cerveau. Une perle rare. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes devenue mère célibataire, vous êtes enceinte, vous êtes célibataire, ou encore vous êtes mère et vous vous occupez de votre enfant à longueur de journée, j'ai l'impression que vous avez envie soit de vous ouvrir un business, vous essayez de vous ouvrir un business, vous ne savez pas trop quoi faire, mais vous êtes en train de réfléchir, en train d'élaborer certaines choses, parce que vous voulez ici établir une legacy, vous voulez ici établir. Vous voulez ici établir un empire qui va non seulement vous aider demain et qui va aussi aider vos enfants. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton qui dit ne donne jamais le pouvoir à un homme de te nourrir parce que tu lui donneras ici le pouvoir de te faire mourir de faim. Et il est probable que vous êtes ici une femme, vous agissez comme un homme, vous réfléchissez comme un homme, un peu like act like a lady, think like a man. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, over here. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous travaillez dans la communication. Vous êtes très indépendante. It's like les énergies que je vois, c'est des énergies de femmes indépendantes. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes célibataire. Pour d'autres, si vous êtes ici un homme, c'est que vous êtes ici amoureux de cette femme que je suis en train de décrire. Et vous êtes ici en train de vous demander comment faire pour la séduire. Il est probable que vous vous dites, ok, elle est tellement indépendante et tellement fière que le seul moyen pour que je puisse l'approcher, c'est peut-être en passant par son travail, en passant par ses finances. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, si jamais vous avez ici envie de vous associer à une femme pour gérer un business ou pour gérer un business qu'elle a déjà géré, un business qu'elle a déjà créé, une entreprise qu'elle a déjà créée, c'est peine perdue. N'essayez même pas. Vous risquez ici d'être déçu. Parce que je vois ici quelqu'un qui n'a pas besoin de votre investissement, qui n'a pas besoin de votre collaboration. Je vois ici quelqu'un qui n'a carrément aucune envie de s'associer à qui que ce soit pour gérer ses affaires, as well. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est avocat, entrepreneur, paralégal, docteur, un boss. Here. Ce n'est pas un employé, c'est un boss. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voudrait ouvrir son cabinet de consultation ou encore quelqu'un qui veut carrément ouvrir un cabinet qui est en rapport avec les finances, conseiller, conseillère financière, financial advisor. Je vois ici une personne qui est très, très, très forte en communication over here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui parle différents langages, deux, trois langages. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un à Zoa qui voudrait peut-être ouvrir un cabinet ou une entreprise qui est en rapport avec translation, la traduction de certains documents à Zoa. Ou pour d'autres, si vous êtes ici une femme et que vous êtes indépendante, je vois ici un homme qui a l'impression que vous avez tout qui fait de vous la femme qu'il veut épouser. Mais par contre, celui qui vient vers vous, over here, financièrement parlant, il se débrouille, il n'a rien du tout, mais il se débrouille. Enfin, pas pour dire qu'il n'a rien du tout, il se débrouille, c'est juste que bon, voilà quoi, like. Il se débrouille. Mais de la manière qu'il se débrouille, comparé à ce que vous, vous faites, it's like, you know, c'est pas comparable. Pour d'autres, il est aussi probable que vous êtes ici dans une connexion avec quelqu'un que vous-même, au fait, vous avez rencontré au travail. Mais si jamais on a un homme qui veut carrément venir se mettre en couple avec vous, c'est juste à cause des finances à soi. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très intellectuel, très cérébral. Pour lui, s'il se met en couple avec vous, c'est parce que ça make sense. Je veux me mettre en couple avec toi parce que je veux, you know, profiter de l'argent que tu fais, de.
La confortabilité que tu as, ça c'est les hommes à problème. Tu viens ici te mettre parce que la... Bref, anyway. The fuck? Vous êtes là tranquille, hein. Vous avez des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes lourds. On a ici quelqu'un qui veut carrément venir mener lui-même ses propres problèmes à ajouter. Oui, viens, on va partager le truc ensemble, machin. Don't do it. Si vous avez vos propres affaires, ne partagez pas. Si vous devez vous marier, signer des papiers de séparation de biens. I am telling you, I know what I see over here. Be a boss lady. D'après Beyoncé, keep your money, I got my own, me and my baby gonna be alright. Right? Comme on dit ça en français, d'après Beyoncé, garde ton argent, j'ai le mien. Moi et mon bébé, on vivra bien sans toi. So, si vous êtes une femme indépendante, sachez que votre indépendance, vous le faites pour votre progéniture, pour vos enfants, parce qu'on ne connaît jamais demain. Et pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas ici un homme qui est amoureux de vous, avec qui vous avez travaillé, c'est carrément un homme qui veut travailler avec vous, un patron, au cas où vous avez envie d'avoir un deuxième boulot, je vois ici un travail arriver entre le 2 et le 6 d'un mois en particulier. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est entre le 2 et le 6, le 6 juin. Pour d'autres, c'est entre le 2 et le 6 mai que vous risquez d'avoir une offre. Ça dépend de quel pays dans lequel vous êtes. Ok, mais on a ici un nouveau commencement dans votre vie en général. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les béliers, très fort, béliers. On a les balances et on a les vierges. Ok. On va essayer de voir comment cette situation va se dérouler, qu'est-ce qui peut se passer ici dans vos business ou qu'est-ce qui peut ici se passer quand il s'agit de tous ces investissements que vous êtes en train de préparer pour demain. Puis c'est un parti. Donc encore une fois, je vois ici une entrée d'argent exponentielle, si c'est français, arriver dans votre vie qui va vraiment vous dépanner dans le futur. Faites attention à un soi-disant amoureux qui va venir dire, oh, je suis amoureux de toi, c'est faux. Qui sait ce qu'il vient voir ici là? Qu'est-ce que tu viens chercher? Ah non. Ok? La suite, c'est le premier lien. Pour une consultation, le deuxième. Bisous, bye.